Et yo tout le monde, c'est Inferno FC, on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être l'épisode, enfin le jour 7 et 8. Donc j'ai décidé de les mettre ensemble car comme je n'étais pas souvent là, donc j'ai pas pu vraiment faire beaucoup d'achats-revente. C'est pour ça que j'ai fait que 100K comme vous l'avez vu sur 2 jours. J'espère que ça vous dérangera pas. Donc je pouvais pas trop être à la maison, j'avais plein de choses à faire, c'est encore les vacances. Donc je sortais pas mal et j'avais pas trop le temps. Comme vous pouvez voir, l'épisode est en accéléré. J'espère que ça vous plaira parce que bon... faire 10 minutes où je fais toujours la même chose dans chaque épisode, ça doit pas trop vous intéresser. Je pense que c'est plutôt mon avancée dans mes crédits qui vous intéresse. Donc bah voilà, j'espère que ça vous plaît cette série. Si ça vous plaît, n'oubliez pas le petit like. Si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, Twitter qui sera dans la description ou sinon dans les commentaires directement, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à me les poser, je réponds à tous les commentaires. Donc bah voilà, dans cet épisode, c'est comme d'hab, toujours la même technique qui marche d'ailleurs super bien. Elle a quand même un peu moins marché en ce temps-ci parce qu'il y avait des packs là, parce que vu que la team MLS Tot s'est sortie, il y a beaucoup de gens qui ont packé et donc il y a eu beaucoup plus de cartes argent qui sont sorties, donc les prix ont largement chuté. C'est pour ça que on va beaucoup moins vendre, enfin dans les jours qui suivent cette vidéo que je poste là, j'ai beaucoup moins vendu. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas trop non plus de bénéfices, mais bon je vais essayer de m'arranger pour faire de mon mieux. Donc bah voilà, j'ai vu aussi, enfin j'ai plein de séries qui me trottent dans la tête, j'en ai une là qui me fait super plaisir, c'est une série avec un joueur anglais, Tots MLS, franchement l'équipe ça va être une tuerie, enfin la série va être super bien, j'ai hâte de la faire, faut juste que je finisse Road to Messi pour me l'acheter, le joueur il coûte assez cher, mais la série va vraiment être kiffante et j'ai hâte de la faire. Donc bah voilà, toujours la même technique, 3200-3300. Là, à cause des packs, j'ai baissé les prix. J'ai mis 2008-2900, ça part. Donc les gens, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre 2008-2009, 3200-3300. Les deux partent. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous faites comme vous le sentez. C'est vous qui voyez. Donc voilà. J'espère que bah, ça vous dérange pas trop l'accélérer comme ça. J'aimerais vous... Enfin, si jamais il y a des gens qui répondraient dans les commentaires, j'aimerais savoir si du Rocket League, ça vous intéresserait, même si le jeu est... et boycotté par tous les youtubeurs en ce moment, ce jeu est vraiment génial. Peut-être une petite partie comme ça, je sais pas, je verrai. Je verrai moi-même, mais je pense en faire une parce que vraiment c'est un jeu que je kiffe à mort, ça me tue trop. Donc voilà pour ce qui est des futurs projets sur ma chaîne. Donc là comme d'hab, toujours la même chose. Hop, dès qu'il y a, vous voyez là, 2008-2009, j'ai baissé les prix. Vous pouvez voir que je suis passé la barre d'1 300 000. Faut savoir que comme les joueurs étaient beaucoup moins chers, j'ai fait... un max d'offres, regardez tous les joueurs que j'ai acheté. Je crois que j'ai jamais autant acheté de joueurs à si peu cher. Et les revendre aussi cher que je les revends. Donc voilà, franchement, quand il y a des gens et des nouvelles teams qui sortent, des nouveaux packs, les gars, allez dans les marchés des transferts et choper. Regardez ce joueur, 300. D'habitude, ce joueur-là, je le chope pour 700, 800, 300. Donc ouais, je me suis fait une marge énorme. Franchement, faut y aller. Quand il y a des packs comme ça, faut y aller. N'hésitez pas à y aller encore un petit peu. Je crois qu'il y a encore toujours des offres de packs. Donc voilà, n'hésitez surtout pas les gens à y aller. Donc là c'est la dernière séquence où je vais vous montrer mon BNF transfert. Vous pouvez voir que je suis à 1 351 000, sachant qu'il y a des Messi qui partent à 1 490 000. On n'est pas loin les gens, je pense encore un ou deux épisodes et on y est. Donc là vous pouvez voir le bénéfice transfert, 342, sachant qu'on a fait 100K dans l'épisode. Donc bah voilà, si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir. C'était Inferno FC, si vous avez des questions, c'est dans la description, dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus les gens. Bye.